Surveillez votre démarche. Les pieds doivent être bien parallèles. Poussez en avant votre cinquième vertèbre lombaire. Le fleuve de l'énergie se situe là, quelques centimètres au-dessous du nombril. Ton esprit doit être aussi pur que la forme de cet astre, aussi effilé que le tranchant d'un sabre. Regarde ton adversaire comme s'il était invisible. Fixe un point sur son front à égale distance de ses deux yeux. Et là, tu y verras la montagne lointaine. Fais le vide dans ton esprit comme le font les disciples du sabre. Aucun préjugé, aucune idée reçue, aucune spéculation intellectuelle. Tiens la tête droite, entre le menton, tends la nuque et pousse le ciel avec la tête. Oh,
écoute la musique de ton moteur. La musique sera belle si vous êtes en mesure. Respire pas seulement avec tes poumons et ta cage thoracique, mais utilise tes intestins. L'air contient l'énergie universelle que nous recevons dans chacune de nos cellules. Pense à ton rythme. Nous sommes tous en vibration, en accord avec l'univers tout entier. Essaie de perturber le rythme de ton adversaire, comme le font les disciples du sabre. Souviens-toi surtout de cela. Même la poussière, quand elle s'accumule, peut créer une haute montagne.